Bienvenue à tous Moi je suis pas dans l'analyse graphique ou quoi que ce soit Voyez-vous Boule trap Je sors en fait ce terme de ma boule magique Pour moi c'est trop beau pour être vrai Que ça y est on redécolle et hop on oublie tout ça comme par magie Et c'est parti to the moon Ça sent le piège Ça, ça sent le piège D'ailleurs il fait chaud aujourd'hui j'ai pété un câble Putain oubliez pas de vous hydrater ça serait con de faire un malaise. Euh, bon, vous allez pas rater grand chose. De toute façon, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on en sorte déjà. Ça, ça fait pas longtemps. Enfin, ça fait pas assez longtemps pour moi qu'on est rentré dans ce marché baissier. Et comme j'ai dit, je suis pas dans, dans l'analyse graphique ou quoi, donc je vais pas vous montrer les volumes ou des indicateurs pour vous dire que je pense que c'est un bull trap. J'y vais au feeling, full feeling pour moi. Je reste sur mon plan de 2022. Après je continue mon DCA paisiblement. Même si j'avais testé le auto-invest il n'y a pas longtemps sur Binance et je l'ai coupé parce que je pense que c'est pas une bonne idée de continuer le Auto Invest. Là j'achète 7 balles de bitcoin tous les jours et 3 balles d'Ether, ce qui n'est pas grand chose. Mais je sais pas. Là, terres qui monte avec assez peu de volume, sur une e-swap en plus. Sur une swap, il y a très peu de volume sur les terres. Moi, je trouve ça trop suspect. Par contre, on va faire un petit retour sur les doubles investissements et sur une strat que j'ai présentée à base d'emprunt. Ça va être sympathique. Je vais vous montrer un petit truc sympathique sur Binance. Donc, vous allez sur Binance, sur l'application mobile, tout en haut à droite, vraiment, vous avez plusieurs icônes. Prenez celle qui est tout à droite et ça va vous emmener en fait sur la page Binance Pay. Sur PC, vous allez sur Finance, puis sur Binance Pay. Hop. Et sur cette page, vous allez voir, il y a un truc magnifique, c'est le One Dollar Game. Euh, J'ai pas vu beaucoup de gens en parler du One Dollar Game, donc euh, n'hésitez pas. Si vous avez un BUSD sur Binance, vous avez une chance de gagner 5000 balles. Alors, il n'y a qu'une personne qui gagne, hein, donc vous attendez pas à être sûr de, de remporter les 5000 balles, mais au moins, c'est pas une loterie, genre vous misez et si vous perdez, ben, vous, vous perdez votre BUSD. Là, même si vous perdez, vous récupérez votre BUSD. Donc, c'est fair play, il reste encore deux jours pour participer. N'hésitez pas, il faut juste bloquer un BUSD. Je ne pense pas qu'il y, euh, qu y ait grand risque à faire ça. Et euh, j'ai été voir, et c'est pas la première campagne de ce genre qu'ils font Binance. Ils avaient, fait, Ils avaient déjà fait ça pardon, avec 1000 dollars et 2000 dollars de gains. C'est 5000 BUSD en bon d'achat, donc vous ne pouvez pas les convertir contre des euros ou quoi que ce soit. Vous avez forcément des BUSD, donc vous êtes forcément obligé aussi de les dépenser. Et si vous les dépensez, il y a plus-value. Et du coup. On paye des impôts sur ça ou pas Parce qu'il y a le contexte du concours. Si on les gagne grâce à un concours, est-ce qu'on a de la plus-value à payer dessus Ça, c'est une question que je me pose. Moi, je partirai du principe si je gagne, je noterai euh, les, euh, les transactions que je fais et plus-value, quoi. Hein. Le, le marché manque tellement de dopamine que dès que ça y est, euh, on commence à avoir un petit rebond, un petit peu de vert, les gens s'emballent. Alors, sur Ether, là, je vois que sur CoinGecko, on est quand même à plus 43% sur une semaine. Donc. Assez bon rebond quand même sur Ether. Mais encore une fois, les volumes et tout, on a connu tellement plus haut dans le passé. Je me méfie. Je me méfie par rapport à ça. Petite donnée que je me suis amusé à chercher dans l'après-midi, c'est les stats des... Euh, on, va, on va dire des influenceurs. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le terme. Même moi je l'aime pas, mais c'est pas le bon terme. Mais on se comprend. Donc, je vais vous montrer parce que c'est assez intéressant. Là, c'est mes stats à moi, donc j'ai direct la source de YouTube. Euh, vous voyez que sur les 90 derniers jours, stats qui ont été euh, chopés aujourd'hui, euh, mes vues sont en baisse. Alors, on peut le voir en bas, j'ai je, je, quand même une cadence de, de sortie de vidéo qui est plus faible qu'avant. Il euh, y a moins de sujets à aborder dans la DeFi en ce moment, il y a moins d'innovation et tout, donc c'est pas étonnant. Euh, en plus de ça, perso, j'ai un peu moins la motive, donc je sors moins de vidéos. Ça peut jouer sur le nombre de vues en baisse mais il y a pour moi il y a quand même la, le sentiment de marché qui accompagne en fait cette baisse c'est vraiment drôle en fait de voir qu'à court terme vraiment on a un gros rebond sur les cryptos et ça suit pas je trouve sur les réseaux sociaux euh, peut-être un peu sur twitter parce que c'est un réseau social euh, c'est pas comme youtube c'est un peu différent les, les gens ils sont plus dans, dans l'instant sur Twitter et dès qu'il va se passer un truc, ils vont y aller. Bref, j'ai compilé euh, d'autres euh, stats d'autres YouTubers, Twitchers et compagnie. Donc, euh, ok, ok. Alors, ça c'est le, le Twitter de Bitcoin. Il y a un Twitter euh, bah, de Bitcoin. Et ce qui est cool, c'est que là, toutes mes données viennent de Social Blade. Donc, avoir euh, la, la véracité euh, des, des données dans le passé de Social Blade, mais à mon avis... C'est plutôt. Euh, euh, on est plutôt good. Ça existe depuis longtemps, Social Blade. J'ai juste pas repris les stats de Enter the Crypto Matrix parce qu'elles sont défoncées. Genre, il y a un mois où il a moins 2 millions de vues. Comment on peut faire moins 2 millions de vues À moins qu'il ait supprimé plein de vidéos, je vois pas comment c'est possible. Donc, il y a certaines chaînes où j'ai pas pris les stats parce que elles étaient faussées. Mais là, sur Bitcoin, on voit clairement que euh, le nombre de nouveaux followers est en, en, en chute libre, entre guillemets. Enfin. En tout cas, quand on regarde le dernier bull run, vous voyez, il y a eu une grosse hausse ben, au niveau de janvier 2018, et après ça s'est tassé, mais pendant super longtemps, pendant, euh, pendant plusieurs années. Donc vraiment, moi, je m'attends à voir la même chose sur, euh, sur cette phase-là. Là. là, tout 2022, tout 2023, on va se retaper cette, euh, cette phase euh, où les, euh, les gens sur Twitch, sur YouTube, ils vont acquérir aucun, euh, aucun nouveau follower. Ça, je colle. On verra bien. En plus, là, c'est en chute libre. Attention, sur le graphique en bas, on voit juillet 2022. Mais euh, la, la, donnée, la dernière donnée du graphique, c'est euh, pour le mois de juin 2022. Hein. Sur les graphiques, il n'y a pas le, les données de juillet. Euh, là, je suis sur Crypto Farmer, sur, euh, sur Twitter toujours. Donc pareil, acquisition en baisse sur Crypto Farmer. Euh, là, c'est sa chaîne YouTube. Le nombre, euh, le nombre de vues en baisse, le nombre d'abonnés en baisse. Après, je pense qu'il a un peu le même problème que moi, Crypto Farmer. Déjà, euh, comme moi, il est dans le domaine de la DeFi et c'est un domaine qui a pris euh, euh, assez cher récemment. Et en plus, je crois qu'il a, qu a un rythme de vidéo qui a baissé, euh, bah, comme moi, du coup. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais en avis, c'est sûrement euh, le fait qu'il n'y ait pas non plus euh, beaucoup de nouveautés sur le marché en ce moment. Euh, les followers de Crypto Future. Là, je ne sais plus si ça correspond à Twitch ou à Twitter. Ah non, c'est Twitch. Là, c'est Twitch. Donc euh, là, c'est une stat pour le coup qui diffère un petit peu parce que depuis début 2022, c'est relativement stable. On peut voir que c'est quand même plutôt en baisse, pas grand chose à en dire. Euh, pour Twitter de Crypto Future, bon bah là, c'est la dégringolade, il accumule de moins en moins de followers. Euh, là, on est sur ses stats YouTube. On peut voir clairement que sur les vues et les abonnés en bas, on est en baisse. Euh, beaucoup moins d'accumulation d'abonnés. Alors pour le coup, là, les abonnés, ça commence quand même depuis euh, fin 2021, la baisse. Donc on a déjà bien amorcé le truc, mais à mon avis, euh, on va pas accumuler de nouveaux followers avant au moins euh, un an, quoi. Au moins avant mi-2023, obligé. Là, pour le coup, je l'ai vu en plus passer dans le chat. Euh, Monsieur Rabbi, du coup, je me suis amusé à aller voir euh, ton accumulation de followers sur Social Blade. Euh, si tu es toujours sur le chat, corrige-moi si les données sont véridiques ou pas. Mais depuis euh, 2022, clairement... Ça avance pas vite. Voilà. Mais bon, euh, là je tire pas sur l'ambulance ou quoi que ce soit. Hein. Euh, on l'a vu sur les autres graphiques, c'est comme ça partout. Rien d'étonnant. Et il va falloir vraiment attendre la fin du mois de juillet. Quand on va être le 1er août, va falloir refaire un tour sur Social Blade et voir euh, si justement les, les courbes vont faire un. Vont, comment elles vont remonter en fait. Si vraiment toutes les courbes que je vous montre là, en août, elles remontent pas un petit peu, pour moi ça, ça valide encore plus la thèse du Bull Trap et tout. Parce que, euh, parce que ça veut dire qu'il n'y a juste pas de nouveaux arrivants sur le marché. Et... Manipulation, manipulation. Là j'ai été chercher carrément un gars sur Twitch qui est espagnol. J'ai essayé de sortir un peu de, de mes frontières. Euh, donc ça, il s'appelle Scott FDX. J'ai juste regardé les gens qui avaient en live sur Twitch cet après-midi. Il était en live, il n'était pas français. J'ai regardé ces datas, on, le même constat. J'avais regardé une chaîne russe aussi. Euh, les datas, elles étaient tronquées à un endroit, comme pour Cryptomatrix, il y avait un gros négatif euh, sur un mois. Mais euh, globalement, c'était euh, la même gueule de graphique. Grosse baisse. Bon, je vais tous vous les faire, mais là on a The Moon sur YouTube, euh, gros gros influenceur Bitcoin. Pareil, hein, euh, Ça descend. Et il a des chaînes dans d'autres pays aussi qui sont traduites. Donc l'Espagne. L'Espagne, c'est une des pires, hein, C'est... Euh... <laughs> c'est abusé comment, comment ça a chuté. Et euh, là, c'est la, la version russe. Alors, je sais pas trop pourquoi, vers mai, il y a eu un pump. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et, euh, et on a fait le tour. On a fait le tour des, des données que j'avais envie de vous montrer. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez ça pertinent ou pas Alors évidemment, il ne faut jamais s'appuyer sur une seule donnée pour se dire que c'est un bull trap ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, ces données ont un petit peu de retard. Il faut vraiment attendre le début du mois prochain. hacheur pareil, j'ai pas pris ces datas. Euh, comme Cryptomatrix, il y a un gros trou négatif à un endroit. Je vais vous montrer ça en direct. Il y a moins 2 de millions de vues juste ici, aucun sens. Par contre, si on se fie bah, à partir d'ici, novembre 2021, vous voyez ATH, 1,4 millions de vues sur le mois. Et là, en juin, on a, il a fait que 458 000 vues. Alors peut-être qu'il y a eu un peu moins de vidéos qui sont sorties d'ici là, mais son nombre de vues a été divisé par 3 à hasher. C'est chaud. Le nombre de nouveaux abonnés 34 000, 9 000, divisé par 4. C'est le même constat partout. Et du coup, Enter the Crypto Matrix. Ah non, mais c'est même pas moins 2 millions, c'était moins 13 millions <laughs> sur Crypto Matrix. Ça n'a aucun sens. Cette donnée n'a aucun sens. Euh, L'ATH en mai 2021. 1,656,000 vues. Et là on est autour de 392 000 vues sur le mois de juin. Pareil, euh, ça a baissé drastiquement. C'est clairement, il euh, y avait quelqu'un qui avait parlé de Dead Cat Bounce. Alors je ne sais pas si on peut parler de Dead Cat Bounce parce que je pense que ce serait arrivé plus tôt, ou alors c'est ce qu'on a vécu plus vers les, euh, les 40 000 dollars. Euh, mais rebond technique, juste on a bien chuté sur le marché, ça faisait des mois, on a fait combien de semaines de baisse, vous vous en souvenez ou pas Vous avez suivi les semaines de baisse Regardez, euh, si on compte pas la petite semaine de hausse qu'on avait fait ici, il y avait 12 semaines je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez 12 avec la semaine verte là, 12 semaines de baisse, c'est est, est logique qu'il y ait un petit peu de, qui est un petit peu de, de, de rebond, après autant de baisse. Plus je suis loin des marchés et mieux je me porte. Euh, je fais un petit peu de DCA de temps en temps. Quand il y a des chutes sur le marché, je rachète un petit peu. Et, euh, et voilà, je, je laisse couler. S je, sincèrement, ça va être long. À mon avis, ça va être long. Sur le double investissement, on peut parier des stablecoins. On fait une sorte de pari sur le prix du BTC. À telle date, il doit finir à tel prix le BTC. Et si le BTC finit au-dessus de ce prix. Vous avez des intérêts sur vos stablecoins. Si le BTC finit en dessous du prix objectif, vous achetez du BTC au prix objectif. Je vais vous donner un exemple concret. On va miser euh, 100 balles. On va choisir le pari à 21 000 dollars. Vous voyez qu'il se termine le 29 septembre. Euh, pff, septembre. <laughs> juillet 2022. Donc le 29 juillet 2022, à, je crois que sur Binance, c'est 8 h ou 10 h du matin. Je ne m'en souviens jamais. 10 h, je crois. À 10 h du matin, Binance va regarder le prix du bitcoin. Et s'il est au-dessus de 21 000 dollars. Vous avez des intérêts. Hop, imaginons qu'on ait misé 100 balles. Je prends toujours des petites sommes. Ça, ça donne l'impression qu'on ne gagne pas grand-chose, mais euh, il faut voir en pourcentage de rendement. Il y a 30% d'intérêt sur ce plan-là. Donc si vous misez 100 balles et que le 29 juillet, Bitcoin est au-dessus des 21 000 dollars, sincèrement, il euh, y a des chances. Vous, vous, vous faites 82 centimes. C'est pas grand-chose, 82 centimes, mais c'est sur 10 jours. Et euh, si on ramène ça une année, encore une fois, c'est 30%. Et puis voilà, vous pouvez mettre 1000 balles, vous pouvez mettre 10 balles, le minimum c'est 1 centime. Si vraiment vous voulez juste expérimenter le double investissement pour voir comment ça fonctionne, vous pouvez commencer avec 1 ou 10 dollars juste pour tester, voire même moins de 1 dollar. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises et de ne pas perdre d'argent ou vous avez compris le délire. Et dans le cas du coup où Bitcoin termine en dessous de 21 000 dollars, imaginons que le 29 juillet il soit à 19 000 dollars, et eh ben, vous n'allez pas acheter du bitcoin à 19 000, mais à 21 000. Et vous allez acheter du bitcoin à 21 000 avec les intérêts. Donc euh, les euh, en en 100 dollars, les fameux 82 centimes que vous auriez eu, ils vont aussi acheter du BTC. Voilà, j'avais déjà présenté euh, les doubles investissements, mais là justement, en période de bull trap, ça peut durer une ou deux semaines, ça peut valoir le coup de mettre un pari ou deux. Comme d'habitude, euh, jamais... c'est rare d'avoir des stratégies, euh, à part si, euh, si vous êtes trader, vous avez peut-être euh, des stratégies que vous aimez adopter et que vous utilisez euh, beaucoup. Mais dans tout ce qui est investissement sur la DeFi, la CeFi, on va avoir plutôt tendance à se diversifier beaucoup. Donc il n'y a jamais de stratégie sur lesquelles il faut faire all-in dans ce domaine-là. Donc vraiment, si ça vous intéresse, euh, mettez juste un petit billet sur le double investissement. Faites un double investissement que si ça ne vous dérange pas d'acheter du Bitcoin à par exemple 21 000 dollars. Euh, si pour vous c'est trop cher d'acheter du Bitcoin à 21 000 dollars, bah, ne faites pas du double investissement, parce que certes, vous pouvez accumuler des intérêts sur vos stablecoins, mais vous avez un risque d'acheter du Bitcoin à ce prix-là. Je précise que sur Binance, les doubles investissements vont être fermés en début septembre, je crois, ou début août, euh, comme les futurs. 100% que c'est temporaire et que ça va être remis. Mais en attendant, vous avez des doubles investissements sur UOB, sur OKEX. Sur Bybit, il y a une sorte de double investissement, c'est un peu différent. Les rendements sont beaucoup plus gros, mais vous choisissez pas le prix en fait. Le prix, ça va être déterminé au moment où vous lancez le pari. Donc, j'aime pas trop les doubles investissements. D'ailleurs, ça s'appelle pas comme ça sur Bybit. Je les aime pas trop, c'est pour ça que, que je ne les mets pas en avant. Mais voilà, ça existe aussi là-bas. Aave va lancer son stablecoin, tu penses pas que ça pourrait bouger le cours Alors plusieurs scénarios je pense si c'est une catastrophe le stablecoin ça pourrait faire bouger le cours du AV mais pas dans le bon sens <laughs> après je veux pas dire justement que ça va être une catastrophe ou quoi il euh, n'y a pas de spéculation je sais pas du tout techniquement comment il va fonctionner le stablecoin mais si ça se passe bien Peut-être que ouais, ça pourrait faire réagir le cours du AV sur une petite période de temps à court terme. Pas convaincu que ce soit le truc qui fasse faire un x3 AV. AV, c'est quand même un projet qui est déjà bien capitalisé. Dans la DeFi, c'est un des plus gros projets. Il est où AV il, il vaut euh, 1,4 milliard. C'est pas mal. Ça m'étonnerait. AV, c'est une team quand même qui a... Enfin voilà, le, le, le projet AV est utilisable. J'ai des liquidités sur AV, je l'ai utilisé. Ça fait plus d'un an, un an et demi que j'utilise AV. Euh, je suis bien placé pour, euh, pour dire que c'est un très bon projet. Et euh... moi, pour le coup, je vais attendre un petit peu. Je J'attends d'avoir un peu de recul par rapport à leur stablecoin. Je ne pense pas y toucher tout de suite. Je vous avais montré une strate à base d'emprunt sur la Defi qui marchait très bien quand on avait un marché stable. Et il y a un truc hyper important. Euh, ça, 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 je crois que la première fois que je l'ai dit sur ma chaîne YouTube, c'était il y a plus d'un an. Mais moi, mes strats sur la DeFi, je reste rarement plus d'un mois dessus. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce qu'il y a plein de risques sur la DeFi, de hack ou quoi que ce soit. Mais parce que sur certaines stratégies où on vise un marché stable, j'ai vraiment l'impression, vous pouvez euh, regarder vraiment rétro rétrospectivement, c'est rare qu'un actif reste stable plus d'un mois. Bitcoin, c'est marrant. Mais là, ça fait à peu près un mois qu'on est stable. Regardez, 15 juin, à peu près 15 juillet, 13 mai, euh, début, début juin. Enfin, vous voyez, ça a duré un mois, là, le plateau vers 30 000. Là, ça dure un mois, le plateau vers 20 000. Peut-être qu'on va remonter un petit peu, on verra bien. Peut-être qu'on va revenir à 20 000, peut-être qu'on va descendre plus bas, j'en sais rien. Mais euh, si jamais vous avez suivi mes conseils par rapport à la strat à base d'emprunt. Full stablecoin et tout, là c'est le moment de couper vos positions parce que vous allez sûrement euh, générer des impermanentes loss. L'optimal serait de sortir 2-3 jours avant. Moi, c'est ce que j'ai fait et je l'avais même dit sur mon groupe Telegram. Euh, alors, je mets jamais le lien en avant de mon groupe Telegram. J'aime bien garder cette petite élite qui, euh, qui va vraiment chercher le lien et qui est sur le groupe. Mais euh, voilà, j'avais partagé dessus il y a bien genre 2 jours, je crois, que j'étais sorti de mes stratégies à base d'emprunt. Le timing, toujours la règle des 1 mois. Ça marche trop bien. Ça marche super bien. Ça marche pas à tous les coups, il y a des fois où on est stable pendant deux semaines et, euh, et euh, vous êtes baisé. <laughs> Mais il y a des fois où ça marche comme sur du papier à musique. Et, euh, et vraiment, je suis trop content d'avoir parlé de la strat au moment où on était sur 21-22K sur BTC. Et là, je vous dis de sortir. On est autour de 21-22, enfin un peu au-dessus. Éventuellement, si jamais vous avez suivi le truc, si vous êtes rentré avec un BTC vers 21 000-22 000, soit sortez maintenant, vous avez peut-être un petit peu d'impermanent loss, soit attendez un petit peu. Mais là, vous avez du risque en attendant un petit peu qu'il y ait un rebond qui aille plus haut et que vous, avez, que vous créez des impermanent loss. Je ne vais pas trop rentrer en détail sur les impermanent loss, là on va rentrer dans de la DeFi un peu chiante. Quand vous rentrez sur cette crypto à un prix... Euh, on va dire de 1000$, vaut mieux sortir à un prix proche de votre prix d'entrée. Sinon, vous allez avoir des impermanent loss, donc des pertes. Euh, et c'est pas terrible d'avoir des pertes sur ce genre de stratégie. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des impermanent loss. Des fois, vous laissez courir votre strat pendant un mois, vous perdez tous vos intérêts du mois, vous avez même des pertes après. C'est un petit peu emmerdant. Mais là, je vais prendre l'exemple que je vous avais donné il y a un mois sur Polygone. En ce moment, c'est difficile d'avoir des intérêts à deux chiffres sur des stablecoins. Ça existe, mais souvent, euh, ça reste des déplacements assez risqués ou quoi que ce soit. Il bon, y a quand même euh, Binance Earn avec les 10% sur du BUSD, de l'USDT. Le problème, c'est que c'est opaque, on ne sait pas trop comment Binance va vous sortir les 10%. Donc, euh, moi, j'avais trouvé une bonne strate à base d'emprunt. Vous arrivez avec euh, 1000 USDC, vous avez facile euh, 20% d'intérêt. Vous savez d'où sortent les intérêts, vous savez d'où sortent les risques évidemment. Donc comment ça marche Vous mettez 700, allez, on va dire 750 balles d'USDC sur AAV. Comme ça, il vous reste 250 USDC sur votre portefeuille. Le fait de déposer des USDC sur AAV, ça vous permet d'emprunter des ETH. Donc vous empruntez l'équivalent de 250 dollars d'ETH parce qu'il vous reste 250 dollars dans votre portefeuille. Donc vous avez euh, 750 dollars d'USDC sur AAV à 1%. C'est pas terrible, mais vos ETH, vos USDC. Vous allez les mettre dans une poule de liquidités qui est à 31% d'intérêt sur IDEX. Alors les intérêts sont en, dans le token IDEX et il y a un petit, une petite partie en matic. Le bonus, c'est si vous êtes renté sur la strat et que les tokens qui vous récompensent ont pris de la valeur. Ça augmente entre guillemets vos intérêts, ce qui est plutôt cool. Euh, moi, j'avais revendu petit à petit mes, mes IDEX et euh, mes MATIC, je les ai gardés pour le coup. Euh, mais vous avez une petite partie en MATIC d'intérêt, donc on s'en fout. J'avais revendu mes IDEX avant qu'ils pump. Dommage, c'est la vie, euh, ça arrive de faire des erreurs. Mais ça avait bien marché. Je suis sorti avec un tout petit peu d'impermanent loss sur ma position, parce que je suis rentré sûrement avec un Ether à 1200 balles, et je suis sorti euh, quand l'Ether était à 1400 balles. Forcément, euh, la poule de liquidité était déséquilibrée. Mais euh, les intérêts que j'ai faits ont compensé les impermanent loss. Là, les terres à 1500 balles et quelques, à mon avis, euh, j'aurais eu des, des impermanent loss euh, trop, trop élevés. 750 USDC sur AV j'empruntais 250 dollars d'Ether, et dans la poule, j'avais 250 dollars du SDC, et 250 dollars d'Ether, donc 500 au total. Maintenant que j'ai mis euh, bah, les valeurs, des, euh, le, le, la, la quantité de sous-sous que je dépose, il faut que je complète avec les rendements. Donc sur IDEX, on avait à peu près 30% d'intérêt, j'arrondis toujours en bas. Quand on emprunte de l'ETH, on... Paye 0,86% d'intérêt. On va arrondir au-dessus. On paye 1% d'intérêt. Et on est payé combien à déposer de, de l'USDC On est payé 0,46%. On va arrondir à 0,4%. Et comme par magie, sur vos 1000 USDC, vous avez 15% d'intérêt. Alors, je vous ai vendu 20%, mais on peut avoir 20, je pense, si on prend un peu plus de risques. Si on dépose 700 et qu'on emprunte 300, voilà, là on monte à 18 quasiment. Le risque, en faisant ça, en empruntant plus et en déposant moins, c'est que vous pouvez plus facilement vous faire liquider. Là, on a vu qu'Ether récemment a fait plus de 40%. Il euh, y, y a sûrement des gens euh, qui, euh, qui ont déposé des stablecoins, qui ont emprunté à côté euh, des cryptos pas stables, qui se sont fait liquider. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur, euh, leur dépôt. Et, euh, et voilà, ils l'ont dans les fesses. Hein. Heureusement, ils ont le droit de garder leur emprunt dans ce cas-là. Sauf si euh, leur emprunt, ils l'ont redéposé. Et du coup, leur emprunt, c'est aussi leur dépôt. Et là, euh, ils sont baisés. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de boucle sur, euh, sur les protocoles d'emprunt. C'est. Euh, Ultra risqué. Comment savoir si un protocole est safe le, le, le premier truc de base pour savoir si un protocole est euh, safe ou relativement safe, c'est les audits. Les audits, concrètement, c'est quoi C'est des boîtes qui sont chargées de vérifier le code d'un protocole. Évidemment, ils font pas ça gratuitement. Hein. Il faut payer pour un audit. Et euh, Mark Zeller, dans, dans un des derniers lives euh, sur Cryptomatrix, il avait dit que pour AV, ça coûtait des millions de dollars pour faire des audits. Ouh c'est cher, c'est cher sa mère. Et en plus, il faut en refaire, il faut refaire des audits. Pancake Swap, à mon avis, ils sont bien au niveau frais, ils doivent, ils doivent avoir un petit peu de trésorerie, ils doivent être tranquilles au niveau des audits. J'ai un, un doute, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'en plus de ça, Binance back Pancake Swap, donc on est bien. En tout cas, on peut aller voir les audits. On a Certic, on a Slomis, on a Peck Shield, on a plusieurs audits d'ailleurs. Ah oui, euh, c'est parce que là, on a plusieurs audits pour Slowmist. Euh, vous avez des audits pour la loterie spécifiquement, euh, pour la poule AutoCake et pour globalement le protocole PancakeSwap, c'est bien aussi quand vous avez plusieurs audits sur un protocole euh, c'est comme quand vous allez vérifier une information sur internet, c'est bien euh, de, de, de vérifier plusieurs sources, alors là c'est pas pareil, hein. vous avez juste deux boîtes qui vont revoir votre code, mais euh, on sait jamais une boîte peut très bien rater un truc qu'une autre va trouver, donc c'est bien d'avoir toujours plusieurs audits. Ça, c'est un truc à faire. C'est regarder les audits d'un projet, euh, regardez la date des audits. Plus les audits sont vieux et moins c'est bon signe. Regardez les boîtes aussi, si c'est des grosses boîtes. Alors là, vous avez les trois des plus grosses boîtes d'audit Certic, Slowmist, Peck Shield. Si vous avez ces trois là, c'est pas mal. Et autre chose aussi, c'est de voir l'historique euh, du protocole. Est-ce qu'ils sont déjà fait hacker Donc comment savoir ça Ben recherche Google tout simplement. Punk Swap, euh, je le. Je connais PancakeSwap depuis que c'est lancé littéralement, je peux vous assurer qu'il ne s'est jamais rien passé sur PancakeSwap, pas que je me souvienne en tout cas. Il y avait eu des petites merdes quand ils ont upgradé leur LP token, quand ils sont passés à la V2, il y a des gens qui n'avaient pas compris qu'ils qu étaient passés à la V2, et euh, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû faire des carabistouilles à ce moment-là. Mais globalement, euh, non, PancakeSwap n'a jamais eu de hack, à moins que je dise des bêtises. Av, non plus. IDEX, non plus. C'est un plus petit protocole, mais euh, comme je l'ai sous la main, euh, je le cite. IDEX, non plus, je crois. Euh, globalement, dans la DeFi, il y a quand même, heureusement, encore heureux, il y a plus de 50% des protocoles qui n'ont qui jamais eu de hack. Néanmoins, il y a quand même des passoires, euh, Et je crois que le site existe encore. Ça existe encore, il y a 17 millions de TVL. Value DeFi, ils sont faits euh, hacker 4 fois. Ou 3. 4 fois, je crois. Je crois 4 fois. Alors, dans les 4 fois, il y a eu une ou deux fois directement et deux fois sur indirect. Genre, il y a une fois, il y a eu un hack, mais euh, c'était un... Je ne plus si c'était un hack ou un rug pool d'un de, des projets. En autour, en, en partenariat, on va dire, avec Value DeFi. Je crois que c'était un rug pool. Genre, ils avaient, bah, s'étaient barrés avec la caisse. Et euh, Value s'appuyait sur ce projet-là. Enfin, ça, c'est clairement une passoire. D'ailleurs, vous voyez le value là Vous voyez, il vaut 28 centimes. Vous, vous, vous devez de, Petit pari, petit pari dans le chat. à votre avis, son ATH c'était combien N'allez pas tricher, vraiment jouez le jeu. N allez pas voir sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Mettez vite fait un petit message dans le chat. Là, allez, je vous fais participer, c'est marrant. 8 dollars, 100 dollars, 200$, 15 dollars. Ah là, là 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 On va aller voir sur CoinGecko, écoutez, on va aller voir. Et euh, je suis bien placé parce que j'ai déjà acheté du value à 4 chiffres. <laughs> Déjà ça dit que l'ATH c'est au moins 1000 balles Ah oui mais c'est vrai ils, ont... ils avaient créé un nouveau token Ah oui comment il s'appelait Il s'appelait le B-Value Non comment il s'appelait Comment il s'appelait leur token Comment il s'appelait Oh non Oh non j'ai oublié euh, Son ATH c'était dans les 12 000 dollars je crois 15 000 Je sais plus euh, C'était une valeur à 5 chiffres C'était n'importe quoi C'était quoi le ticker de Value DeFi Ah je m'en suis un plus Ah ça m'énerve Mais non mais non, je ne vais pas le retrouver. Ah, je stake 1000 USDC sur Value DeFi. Et vous allez péter un cap quand vous allez voir les intérêts qu'il y avait sur le stablecoin. Regardez-moi ces tapés grecs de... Pff, je vais même pas dire deux mots, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. 4000%. C'est un APY, pas un APR. Donc euh, par jour, ça, do ça donnait plutôt un APR de 365%. Il y avait 1% d'intérêt par jour. C'était pas un Ponzi, il y avait vraiment une, une, une raison entre guillemets à cet intérêt. Euh, fallait connaître un peu les tokenomics du truc. Mais je viens juste sur cette vidéo, pas pour voir comment c'était dans le passé, comment c'était mieux avant. J'essaye je, de retrouver le ticker de leur putain de crypto là. Il y avait pas des. Il est où leur token Ah, c'est ça, c'est le VB Swap Là, 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 en bas, VB Swap. D'ailleurs, regardez les intérêts qu'il y avait sur le cake. 187%. C'était pas le même monde. Hein. Magnifique le VB Swap, 16 dollars. Mmh. Regardez. Ah, regardez cette ATH à 5 chiffres. À 14149$, dollars. On est sur un petit moins 100% quasiment. Ça fait plaisir. Et je sais plus trop quand justement. Ils ont fait un airdrop, je crois, du nouveau token, le Value Token là. Euh, tous les gens qui avaient du VB Swap, ils ont. Comme il y a eu sur le LEND et le AAV. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est une catastrophe euh, ce truc. Pancake Bunny c'était indécent, ça a été euh, un des plus gros protocoles, peut-être même, je crois que Pancake Bunny a été le plus gros protocole en termes de TVL un jour. Je crois qu'à un moment il y avait genre 6 milliards, c'était abusé. Mais regardez-moi ses intérêts sur l'USDT BNB, il y avait 243%, APY pas APR mais, VAI BUSD, bon le VAI n'était déjà pas stable, mais il y avait quand même des, des rendements de fou. Mais le Bunny pareil, je vous montre son prix, Actuellement 9 centimes. Sans tricher, devinez son ATH. Moi, je sais pertinemment euh, combien était son ATH à quelques dollars près, parce que pour, pour l'anecdote, j'avais filé un peu de cake de Punk de pancake Swap à ma mère. Elle les avait mis sur euh, Punk Bunny. Et les derniers bunnies d'intérêt qu'elle avait eu, je lui ai vendu à l'ATH. Enfin, quasiment l'ATH, évidemment, pas au dollar près, mais euh, on était sur l'ordre de grandeur. 1400 non non quand même pas le truc est à 9 centimes maintenant et il a un ATH à autour de 513 dollars il me semble même que sur la blockchain euh, il était monté à 540 dollars 540 BUSD il était monté euh, dans ces eaux là et moi je les avais vendus vers 500 510 je, je vous donne une fourchette mais je sais que c'était plus de 500 j'en avais vendu euh, un peu moins d'un demi ou un peu plus voilà il y avait tellement une grosse demande ultra forte de DeFi et une offre hyper petite les, les, ces conditions de marché, elles pourront se, se retrouver sur d'autres domaines, mais sur la DeFi, c'est mort plus maintenant. Plus comme ça, c'est sûr. C'est sûr. Ah, le bon vieux temps. Le bon vieux temps. J'avais investi un peu sur PancakeSwap, Swap, sur Punkake Bunny, sur des trucs comme ça, mais j'y croyais pas à fond. En revanche, j'avais mis beaucoup plus sur des trucs enquels je croyais plus Bitcoin, Ethereum. Alors, j'ai pas du tout fait les mêmes perfs. Hein. Il y a des altcoins sur la BSC, j'ai mis genre quelques, quelques euros et j'ai fait des, des fois 50, quoi. C'est n'importe quoi. Après, tout réuni quand même, j'ai pu accumuler un petit peu. J'en ai perdu quand même depuis, hein. Je suis sorti assez tôt sur le bull run, mais le fait de faire du DCA petit à petit, bah, mon portefeuille, de mois en mois, il descend quand même. Parce que je convertis mes stablecoins contre des BTC et autres. Et euh, rétrospectivement, sur les derniers mois, BTC et autres, ils font que descendre. Donc, mon portefeuille descend quand même encore un peu. Mais c'est pas grave, je continue, c'est mon plan. Enfin voilà, il ne faut pas se focus que sur des petits projets. Il faut vraiment creuser tous les, les, les domaines qui vous, euh, qui vous passionnent. Moi, la DeFi, ça me passionne. Donc, fin 2020 déjà, je, je commençais à comprendre comment ça marchait. Je commençais à comprendre, du coup, j'ai commencé à faire des tutos, des vidéos sur ça. Euh, j'ai commencé à toucher un petit peu tous les protocoles qui, qui existaient. Enfin, vraiment, il n'y a, y a, y a pas de meilleure manière d'apprendre que de, de se lancer, pour la DeFi en tout cas. Et euh, c'est sûrement la même chose avec pas mal de domaines. Je pense que là, c'est bien d'avoir un petit peu de... de vous apporter un petit peu de recul, de vous dire que... On est peut-être dans une passe sur le marché. Il faut attendre un petit peu pour avoir des confirmations. Là, vraiment, il s'est écoulé trop de temps pour être sûr qu'on ne peut pas savoir si on est dans une tendance un petit peu estivale, si on est dans un bull trap, si on est reparti pour un bull run. Bon, pour le coup, le bull run j'y crois vraiment pas. Saison estivale qui pourrait durer plusieurs mois, pourquoi pas, mais de mon côté personnellement, j'aurais plus tendance à penser à un bull trap. On verra bien comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Et euh, encore une fois, moi je me base plus sur... Euh, sur du ressenti de marché, sur certains indicateurs que je vous ai montrés. Prenez un peu de recul, vous en faites pas. Il y a vraiment beaucoup de chances pour que sur le marché crypto, il y ait des opportunités et que vous ayez le temps de rentrer. À mon avis, c'est la dernière chose à faire de courir après le train. Sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Et, euh, et voilà, à la prochaine, à un mardi prochain. Salut tout le monde et je vous laisse avec Cryptologique.